Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une petite explication d'un trade que j'ai pris, qui est d'ailleurs toujours en cours et qui va jouer sur la casse du range du Bitcoin. Voilà notre Bitcoin, donc BTC-USD. Bien sûr, vous vous abonnez, c'est donc, comme je dis à chaque fois, hein, c'est obligatoire, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, vous mettez un pouce vers le haut ou vers le bas, si cette vidéo vous a gavé complètement, vous mettez un pouce vers le bas, il n'y a pas de souci, c'est le même algorithme. Et je vais donc vous expliquer tout ça. Alors, on est sur un CFD, on est sur un CFD avec Prior Time, bon bref. Voilà ce qu'on a depuis plusieurs semaines ici. Septembre, octobre, on a quand même du range avec une compression relativement importante. Hier, on a cassé, enfin on est en train. Attends, c'est pas fini, la journée n'est pas terminée. Mais on a cassé le précédent plus haut hier. On était en range sur plusieurs semaines là. Et ici, on voit, hop, qu'on casse le plus haut précédent à ce niveau-là. Moi, j'ai joué ça. J'ai joué ça pourquoi? On va déjà commencer par aller voir les taux américains à 10 ans. Voilà. Voilà les taux américains à 10 ans. Là, on est sur de l'horaire. Ouais. On a atteint un pic il y a quelques jours. On était le 21. On est monté jusqu'à 4,33. Vous rajoutez à ça les petits gars de la Fed qui ont décidé que, ou qui ont annoncé que l'augmentation des taux de la Banque fédérale américaine ne serait peut-être pas aussi stricte que prévu. Du fait de quoi? Du fait d'un plateau d'inflation. Ça veut dire quoi ça? Et là, on va changer de tableau et on va passer sur le calendrier économique. Un petit chiffre qui est passé assez inaperçu, mais moi qui m'a pas mal marqué, le mercredi 19 octobre, c'était donc il y a une semaine, 11 h, l'IPC annuel de l'Europe. 10% de prévu, on est à 9,9. Alors vous allez me dire, ouais, c'est que dalle. C'est pareil, ça change rien. Ah non, c'est pas que dalle. C'est la première fois qu'on a une inflexion de l'inflation. Alors attention, elle est très forte. Elle est extrêmement forte. 10%, on n'a pas connu ça depuis les années 80. Il y a beaucoup qui m'écoutent là, qui n'étaient pas nés. Moi, si, et je me rappelle mes parents qui achetaient leur maison à 17% de taux d'intérêt ou 11%, enfin, c'était des trucs de fou. Là, on a 10% prévu et on passe à 9,9. Et comme par hasard, 10% de prévu, on passe à 9,9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inflation aurait atteint un plateau. Un plateau fort, certes, mais aurait atteint un plateau. Ça veut dire qu'elle ne pourrait plus que, entre guillemets, descendre, ce qui serait une excellente chose. Du coup, dans la foulée, qu'est-ce qu'ils ont fait les taux américains? Je ne parle pas des taux de la Fed, hein, je parle des taux à 10 ans, les taux qu'il y a sur le marché, c'est-à-dire les taux que les États payent pour s'endetter. Surtout la France d'ailleurs. Eh ben ça baisse. Ça baisse, ça baisse, ça baisse depuis, ça va faire, T1-10, ça va faire une petite semaine que ça baisse tout à fait régulièrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un plateau de l'inflation. Donc la Fed, si on est sur un plateau de l'inflation, va peut-être considérer qu'il n'y a plus besoin d'augmenter les taux à long terme. Donc si on n'a pas besoin d'augmenter les taux à long terme, qu'est-ce qui se passe? Les marchés financiers montent. Si les marchés financiers montent, eh ben mon Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Bon, moi j'ai joué la cassure ici, j'ai pris à 19 500, 19 560 exactement. On va aller tenter de... Bon, là il y aura sûrement des respirations, hein, attention. On va quand même aller tenter le précédent plus haut, aux alentours de 22 000. 22 000, 22 500. C'est ça l'objectif dans les prochains jours. On voit que la dernière fois, boum, c'est monté d'un coup. Et puis c'est redescendu aussi sec parce que c'était quand ça? C'était au mois de septembre. Parce que les taux ont continué à augmenter, parce que l'inflation a continué à augmenter. Si l'inflation monte, la Fed monte les taux pour réduire la chaudière, la température de la chaudière, entre guillemets,
pour calmer les résultats des entreprises. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, les résultats des entreprises commencent à tomber. Ils sont bons, mais pas exceptionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rentrer dans un cycle qui est beaucoup plus sain. On a des taux positifs, 3 ou 4%. On va, si tout va bien, revenir à une inflation entre 2 et 3. Ce ne sera pas tout de suite, mais l'objectif, c'est entre 2 et 3, avec des taux positifs et non pas des taux négatifs, ce qui était une aberration qu'on a eue les 5 dernières années, au moins les 2-3 dernières années. Donc voilà le principe. C'est un pari. C'est un pari sur du fond, contrairement à ce que je fais d'habitude, où on n'est plus sur des trading, scalping, etc. Mais on va voir ce que ça donne. On sera fixé très rapidement, parce que le Bitcoin est quand même un actif extrêmement réactif. Mais la hausse qu'on a depuis hier, hop, on va passer en 5 minutes. La hausse qu'on a depuis hier, elle est quand même très très sympa. Voilà. On est le 26, moi j'ai pris à 19 600 ici, là, un certain nombre de lots, et boum, c'est monté, ça a respiré dans la nuit, c'est remonté ce matin, ça respire encore, j'espère que ça va continuer à monter. Objectif 22 000, on verra ce qu'il en est, voilà les amis. Il me reste à vous remercier de votre attention. Je vous rappelle que vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, vous mettez un pouce vers le haut ou vers le bas. Pour ceux qui sont intéressés, eh bien, dans la description, vous avez notre formation gratuite avec notre achat sur repli et vente sur rebond, qui est toujours un petit tips très sympa. Vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, il y a la formation Cassure de Range avec les coachings en live d'une heure, 1 heure et demie tous les matins. Ça, c'est pareil, on a eu un bon truc ce matin. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.